Une année plus tard, les barbares prirent le monastère de la source de la croix. Il avait été construit en 1083, mais en 1362, il ne résista pas à l'attaque barbare. Il était difficile de ne pas le relier au temple. Chaque fois, ils essayaient de détruire les sanctuaires. On aurait dit qu'ils craignaient pour le futur, et ils avaient raison. Car, après des siècles, il était encore là, pour être en mesure de témoigner des atrocités qu'ils avaient subies. Après avoir allumé la bougie, il se prosterna devant les icônes et sortit du temple. Il était prêt après ce voyage dans le temps. Il monta sur le créneau, la vue était magnifique. C'était ainsi depuis des siècles, pensa-t-il, et ce serait ainsi des siècles après. Il devait le dire aux siens. La chaîne du temps n'avait pas été rompue. Il fallait qu'il préserve le château, car c'était le maillon reliant le passé au futur de la Grécité. La flèche de Didymoti continuerait d'écrire, car son existence seule, au travers des siècles après tant de souffrances, constituait un exploit, un miracle de l'hellénisme. Il devait laisser des souvenirs et soutenir les mémoires. Le château de Didymoti était la flèche et son regard était cloué sur la ville. Tous devaient l'apprendre pour comprendre le futur.